vous asseoir. Rendons d'abord grâce à Dieu pour le voyage. Nous allons permettre au pasteur Moïse de saluer l'Église. Viens seulement faire un grand signe de salutation. Le pasteur Traoré et le pasteur Eli vont venir donner un bref rapport pour que la foi de chacun augmente. Mon nom, Calvin Moïse Mengele. Je viens du Congo Brazzaville. Je vous apporte les salutations du frère Jean-Jacques et de l'église au Congo Brazzaville. Alléluia! Gloire à Jésus! Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui, dans sa bonté, a permis cette seconde mission au Libéria. Je suis également reconnaissant au leader, au pasteur Méli Boniface, qui nous a associés, le pasteur Traoré et moi, à cette mission. Alléluia! Et je dis également merci, ma reconnaissance est à l'endroit de tous les saints qui nous ont soutenus dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu était présent. Un peuple qui honore son dirigeant a le secret de la bénédiction. Et nous avons été richement bénis. Au niveau de l'accueil, bien que ce soit une saison pluvieuse, les frères étaient mobilisés en grand nombre. Et l'impact de notre première mission au Libéria a été si profond que la joie de se retrouver a été très grande. Et il y a un aspect qui est très fondamental. Les Libériens sont maîtres dans l'art de l'organisation des grands événements. Bien avant notre arrivée, ils ont fait un poster géant comme celui que nous voyons là, sur lequel il était mentionné le renversement des principautés personnelles et familiales. Et dans cette optique, ils ont confectionné des t-shirts comme celui dont le frère de la sécurité porte, sur lequel était mentionné « Bonne arrivée, pasteur Méli Boniface et la délégation d'Abidjan. » Et pour terminer, tellement Dieu était présent, la sœur Odjong, l'épouse du missionnaire de Libéria, à notre arrivée, en tout cas marchait avec des béquilles. Et la veille de notre arrivée à Abidjan, c'est-à-dire le samedi, de 22h à 2h45 du matin, tellement la prière fut intense, elle a marché, ou bien les métiers. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia! Je suis infiniment reconnaissant à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est fidèle. Je voudrais aussi dire merci à l'Église. Nous avons senti votre chaleur, nous avons senti que vous avez prié pour nous. Merci infiniment. Le Seigneur saura vous récompenser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à notre Père, à tous, le pasteur Meunier. Merci aussi à la sœur Colette
Dieu était avec nous. Comme je l'ai dit, nous avons senti votre prière. Je parlerai du message que le dirigeant a libéré au Libéria, sans toutefois rentrer dans les détails, et il va donner les chiffres après. Effectivement, quand nous sommes arrivés, il était prévu que la rencontre devrait s'apesantir sur le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est dans cette optique que le dirigeant avait orienté son message, mais Dieu l'a voulu autrement. Nous avons vu un peuple qui ont connu le pasteur Meunier comme l'auteur du brisement des liens. Donc, ils s'attendaient au brisement des liens. Donc, les gens sont étonnés de comprendre que cette fois-ci, il s'agit du renversement des principautés personnelles et familiales. Les gens se posaient la question, il s'agit de quoi? De telle sorte que, lorsqu'il a commencé le message, il a demandé au peuple, qui est l'auteur de la malédiction? De façon unanime, les gens pensaient que c'était le diable, parce qu'une sœur a levé la main, elle a dit, c'est le diable. Tous étaient d'accord. Non, ça c'est un frère. Après, une sœur s'est levée, elle a dit, c'est Dieu qui est l'auteur de la malédiction. Quand le pasteur a dit, la sœur a trouvé, les gens, comme un silence de cimetière, c'est comme ça. Comment Dieu peut maudire? Dieu qui est si bon. Mais quand le message est tombé, alléluia! Les gens ont compris que, effectivement, quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. Et il a pris l'histoire de Jacob, qui était poursuivi par son frère, et il allait se réfugier ailleurs. Et arrivé quelque part à Bethel, où Dieu s'est révélé à lui, il y avait une échelle qui descendait du ciel jusqu'à la terre. Et les anges descendaient et montaient. Et Jacob s'est dit, donc cet élément dans ce lieu, c'est la porte du paradis. Malheur à moi. Et il a fait un vœu à Dieu. Si tu réussis mon voyage, je viendrai dans ce même lieu pour t'adorer. Et il est parti. Il allait chez son beau-père. Enfin, il n'était pas son beau-père, il allait chez Laban, qui était un membre de la famille de sa mère. Il a pris deux femmes là-bas. Et vous connaissez l'histoire. À un moment donné, ça ne se passait plus bien entre lui et son beau-père. Dieu lui a dit, retourne dans ta patrie. Il a pris ses affaires, sa femme, sa richesse, et il est retourné. Le Seigneur nous faisait comprendre beaucoup de personnes, à un moment donné de l'histoire de leur vie, font des vœux à Dieu. Dieu les bénit. Mais ils refusent de reconnaître la bénédiction de Dieu. Ils refusent de revenir à Bethel. Et ils commencent à vivre autrement dans le péché. Donc le Seigneur a ramené le peuple libérien à Dieu d'abord. Et quand les frères ont compris la nécessité de revenir à Dieu, de retourner à Bethel, d'abandonner les péchés, le cœur était ouvert. Et le message est tombé. Il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, des visions. On n'en parle pas. Il y a un monsieur. Le jeudi, quand nous sommes arrivés, il voyait les chiens. Quand le message est sorti, libéré, il voyait les chiens et toutes sortes d'animaux en train de partir. Fuir en vitesse. Le
Seigneur a été bon. Vendredi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Le dirigeant parlera de ça tout à l'heure. Pareil, le jeudi, le premier jour, samedi, on voyait, malgré que le message du renversement des principautés passait, mais on voyait sur le visage des frères, nos liens ne sont pas brisés. Mais tu es là, on fait comment? Dans la journée de samedi, nous avons consacré cette journée-là pour le brisement des liens malsains. Et nous sommes arrivés sur le lieu à 11h. De 11h à 21h45, nous avons fait 56 brisements des liens avec le frère. Et la journée de dimanche, Dieu était avec nous. Des âmes aussi ont été gagnées. Aujourd'hui, nous sommes là. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu qui est fidèle, qui est un Dieu d'amour. Que toute la gloire lui revienne. Et je vous dis aussi merci beaucoup pour vos prières. Amen. Les frères du Libéria ont la foi. Pendant qu'on priait, il y a eu deux visions identiques. On était descendu dans les montagnes et les forêts pour récupérer les biens. Une sœur et un frère ont vu une montagne exploser et il y avait les richesses en bas. Ils étaient en train d'expérimenter un autre niveau de délivrance. Et la sœur a vu quelqu'un qui lui a remis ses biens et dit, tiens. Alléluia. La croisade sera une grande bénédiction. Fais la paix avec Dieu. Dieu bénit l'obéissance. Retiens ça comme le message de ce soir. Dieu bénit l'obéissance et Dieu maudit la désobéissance. Si nous offrons au Seigneur des cœurs obéissants, vous verrez les miracles inédits. Chacun le verra dans sa propre vie. Dieu bénit l'obéissance. Quand tu obéis, tu ne demandes même pas la bénédiction. Dieu te l'accorde. Prenons Genèse chapitre 12. Chapitre 22, pardon. On va lire certains versets. Lis-nous d'abord le verset 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Lis le verset 11 et 12. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Verset 15.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Continue. Et dit, je le jure. Jusqu'au verset 18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Quand tu obéis, Dieu proclame la bénédiction pour toi. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu deviens prospère à tous égards. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Quand Dieu te met à l'épreuve et que tu échoues, tu perds beaucoup de bénédictions. Si Dieu te demande quelque chose et que tu refuses, tu perds beaucoup de bénédictions. Si tu veux que cette croisade soit bénie pour chacun de nous, décidons ce soir que nous allons obéir à Dieu. Décide en tant qu'individu et décidons en tant que peuple que nous allons obéir à Dieu. L'ange de l'Éternel, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Dites amen. Amen. Parce que tu as fait cela, je te bénirai. S'il y a quelque chose que Dieu te demande ces jours-ci ou qu'il t'a toujours demandé, ce soir, c'est le jour où nous allons décider. Chacun va dire, Seigneur, j'obéis. Et en obéissant, tu regrettes même d'abord d'avoir refusé, d'avoir perdu des bénédictions inutilement. Ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Ça peut paraître difficile. Tu te dis, mais pourquoi Dieu me demande mon fils unique? Je n'ai qu'un seul fils. C'est celui-là que Dieu demande. Vous savez, par exemple, dans les dons à Dieu, beaucoup de personnes ne paient pas les dîmes. Pourquoi? Parce que elles estiment que ce qu'elle possède est petit. Ils ne voient pas comment ils peuvent encore enlever quelque chose dedans pour donner à Dieu. Pour eux, c'est comme donner son fils unique. Quand ils regardent ces 200 francs, Dieu lui dit, donne-moi ça. Ils préfèrent aller dans une mosquée que de continuer dans le christianisme. Tu veux te marier, Dieu te dit, voici ma volonté. Tu refuses, tu dis à Dieu, si c'est comme ça, je vais dans le monde. Tu as perdu. Il dit, je jure par moi-même, je te bénirai. Quand Dieu a juré par lui-même, personne ne peut te maudire.
Si quelqu'un te maudit, il cherche même les problèmes pour rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère, Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Quand Dieu te donne un travail, tu fais bien, il te bénit. Tu joues avec, il te maudit. Il maudit la désobéissance. Au Libéria, le Seigneur disait aux frères, ne craignez pas le diable. Craignez Dieu. Quand Dieu te donne un commandement, obéis, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne doute pas, ne crains rien, obéis. Vous voyez comment Abraham est béni. Dieu a promis à Abraham un enfant, un fils. Et un jour, Dieu lui dit, prends cet enfant-là, tu le sacrifies pour moi, sur l'autel. C'est-à-dire, tu tues l'enfant, tu allumes le feu, tu le brûles. Comme on fait le sacrifice avec les victimes, les animaux. Et Dieu dit, il faut que l'odeur-là monte vers moi. Et Dieu précise que ton unique fils que tu aimes, c'est-à-dire Dieu sait que Abraham aime cet enfant. Abraham s'est levé. Il a exécuté presque, c'est l'ange qui l'a arrêté. Dans l'obéissance, il y a la preuve qu'on craint Dieu. Quand tu obéis, tu n'as même pas besoin de dire aux gens que moi je crains l'Éternel, non. Ton obéissance déjà est une proclamation que tu crains Dieu. La désobéissance veut dire que tu ne crains pas Dieu. Que tu prononces son nom en vain, pour rien. Donc nous allons nous tenir debout. Cette année, on ne va pas travailler sur les idoles pendant 10 jours, chacun chez soi. On viendra les traiter ici. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts que les idoles. Quand tu te retires dans ta chambre, les idoles ont le temps de te bercer, de te demander pardon, ne nous chasse pas. Et certains luttent avec les idoles pendant tout le temps de la croisade. Et à la fin, ils ne sont pas bénis. Nous allons vaincre toutes les idoles ensemble ici. Regarde ce que Dieu te demande. Dis-lui, j'accepte. Peut-être tu es une nouvelle âme. Dieu peut te demander seulement de te repentir. Il peut te dire, je connais tes péchés, laisse tes péchés. Ne fais pas comme si tu n'as pas entendu. Il a parlé à Abraham une seule fois. Il n'a pas répété. Une seule fois. Quand les gens veulent désobéir, ils disent, Dieu, si c'est, parle encore, si c'est toi, parle encore. Il dit, ton unique fils que tu aimes. Si Dieu te dit ça, tu vas dire, Seigneur, parle encore ce soir, si c'est toi. Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant, va en Égypte une seule fois. Il a obéi et nous avons la suite. Si c'était toi, le temps de réfléchir, Hérode allait venir tuer l'enfant. Lève tes mains.
dit Seigneur, je ne peux pas dire que tu ne m'as jamais parlé. Je ne peux pas dire que je ne sais pas ce que tu me demandes. Parce que tu n'es pas un Dieu confus. Tu n'es pas un Dieu qui apprend à parler. Dis Seigneur. Je crois à cette vérité. Tu bénis l'obéissance. Tu bénis ceux qui obéissent. Tu as béni Abraham en jurant par toi-même. Et nous avons vu sa bénédiction. Elle est visible dans le monde entier. Commence maintenant à parler à Dieu. Veuillez vous asseoir. Lis pour nous Juges chapitre 5, du verset 23 au verset 27. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau. Elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu. Et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fondu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé. Il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Amen. Vous voyez, une ville entière a été maudite. Une nation peut être maudite. Une ville, un village, une famille. Méroz a fait quoi? Ils ne sont pas allés combattre avec les enfants de Dieu. Ils ont refusé de faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu demande que la ville soit maudite avec tous les habitants. Il dit, maudissez Méroz, maudissez-la. Ils ne sont pas sortis au secours de l'Éternel. Frère, imaginez que les frères ne vont pas à la prière dans les assemblées. Ils ne sortent pas évangéliser. Ils négligent tout. L'œuvre de Dieu ne marche pas. Et ils se rassemblent pour faire une croisade et demander les bénédictions. Est-ce que Dieu va exaucer? Regarde ta manière de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça peut attirer la bénédiction? Écoutez une autre bénédiction. Il dit, béni soit entre les femmes Jaël, femme d'Héber, le Kénien.
Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau et la donnait du lait. Alléluia. Jaël est une femme qui a su éliminer un ennemi des enfants d'Israël. Sisera fuyait et il est entré chez Jaël. Il dit, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Elle a dit, ah, tu es fini. Elle lui a donné du lait en abondance. Il a bu, il est devenu faible. Vous savez que le lait fait dormir. Et il a pris un marteau, il a fracassé sa tête. Les enfants d'Israël furent délivrés d'un grand adversaire. Dieu dit, bénissez-la. Dieu bénit l'obéissance. Il y a des actes tels que quand tu les poses, tu n'as même pas besoin de dire, oh Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Un ennemi de Dieu qui entre chez toi, il dit, donne-moi de l'eau. Si elle avait donné de l'eau, ça allait être maudissez Méros, maudissez Jaël. Bénissez Jaël, bénissez Jaël. Alléluia. Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Dieu maudit la désobéissance. Quand Dieu te demande un service, fais-le avec tout ton cœur. Fais-le sans trembler. Fais-le sans crainte. Si tu as volé Dieu, pendant cette période, tu restitues. Et nous devons méditer chaque jour. Pendant cette période, ne saute pas un jour sans méditer. J'ai recevé que les objectifs d'un disciple, c'est quoi? Nous le disons toujours. Chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu. Faire de Dieu sa joie parfaite et le servir, partager l'expérience avec les autres. Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur me disait, il faut régler ça pendant la croisade. Parce que ce n'est pas vrai. Certains récitent, mais ils ne font pas. Est-ce qu'on peut être béni comme ça? On n'a même pas encore attaqué le diable. Ça, c'est ce qui est entre nous et Dieu. Est-ce que Dieu peut décider de bénir un peuple qui proclame que nous allons chercher Dieu, nous allons le trouver, nous allons l'aimer, nous allons le servir, nous allons faire de lui notre joie parfaite et nous allons le servir avec toute notre force. Quand ce n'est pas vrai, Dieu il ne bouge même pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, il y a des actes tels que quand tu les poses, Dieu décide de te bénir et personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Donc, tu vas prier. Quand tu rentres ce soir, tu prends ton cahier de méditation, même si c'est une phrase, même si tu écris une seule phrase dedans, tu as médité. Alléluia. Vous savez, avant, je ne lisais pas la Bible. Quand j'étais jeune converti, j'ai lu rapidement les évangiles avec beaucoup de joie. Et dans mon ignorance, je me disais que les autres paroles ne sont pas les paroles de Jésus. Et puis j'avais une Bible qui avait écrit les paroles de Jésus en rouge. Donc quand je ne voyais plus les écritures en rouge, ça ne m'intéressait plus. Un jour, le frère Jacques est venu à Berthois. Il a enseigné. Après, il a demandé aux gens de prier, de poser des questions. Je me suis levé, je lui ai dit que moi, je n'aime pas la lecture biblique. Le frère s'est mis dans une colère que je n'ai pas su expliquer.
Il dit, regardez un beau garçon comme ça, il ne mange pas, il va vivre comment? Si une sœur le voit, la sœur peut me désirer l'épouser. Il dit, si tu ne prends pas la décision, que si tu ne lis pas, tu ne manges pas, je ne prie pas pour toi. Mais c'était sérieux. J'ai pris l'engagement que vraiment, si je ne lis pas la Bible, je ne mange pas. Mais ce n'était pas un petit engagement. Le premier jour, je me suis rappelé qu'il fallait lire la Bible quand on m'appelait que le repas était prêt. Donc, je suis allé me mettre rapidement à genoux. J'ai lu un verset. Alléluia. Je suis allé manger. Le deuxième jour, c'était la même chose. Après cela, frère, mes yeux se sont ouverts sur les révélations bibliques. Il y avait des versets, quand je lis, je comprends comme les grands. Parfois, quand je lis certains grands livres comme les Wajmani, je comprends le verset comme Wajmani avait compris. Parfois, quand le frère Zach venait enseigner, il explique le verset tel que je l'avais compris. Maintenant, je mets la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque mois, je me retirais pour lire tout Apocalypse, tout un Jean, un Jean, un deux Jean, trois Jean, un Pierre, deux Pierre. Et je lisais un Timothée, deux Timothée pour me restaurer. Ça, c'est pour me restaurer. Chaque mois. Tu peux décider que tu ne fais pas ça, tu ne manges pas. Alléluia. Ton cerveau sera sanctifié. Tenons-nous debout. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité de mettre de l'ordre dans mes engagements. Dis Seigneur, pardonne-moi la vie, une vie mensongère. Je n'ai pas fait ce que j'ai proclamé. Maintenant, continue à prier. Pendant que nous sommes debout, que 10 personnes, n'importe qui sent le fardeau, viennent supplier Dieu de pardonner. Parce qu'on a dit, Seigneur, on va faire ça, on va faire ceci, on n'a pas fait. Et nous sommes là, nous voulons qu'il nous bénisse. Et pendant que les frères intercèdent, dis à Dieu, je reviens. N'abandonne pas, ne dis pas, je me repens, je ne peux pas faire. Quand tu faisais la promesse, tu étais consacré. Ton cœur était touché, il y avait l'amour de Dieu dans ton cœur. Et c'est cet amour-là qui t'avait fait parler. Maintenant que la chair a pris le dessus, tu veux te dégager. Tu dis à Dieu, je suis là. Je vais accomplir mes vœux. Alléluia. Dis Seigneur, Seigneur, je vais accomplir mes vœux. Je veux t'honorer en accomplissant mes vœux. Seigneur notre Père, aie pitié de nous. Pardonne tous les engagements que nous avons oubliés. Accorde à chacun la grâce de ton pardon et la possibilité de repartir de zéro au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, ô notre Dieu, d'exposer, ô notre Père, notre fausseté.
notre mensonge. Nous avons pris des engagements, ô notre Père, avec fermeté. Mais à un moment donné, ô notre Dieu, nous avons renoncé, Seigneur, à ces vœux que nous avons pris de façon solennelle devant toi. Ô Seigneur, pardonne-nous, ô notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre fausseté. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos mensonges, ô notre Père et notre Dieu. Et accorde-moi personnellement, Seigneur, de revenir à mes engagements, de revenir à mes vœux, ô notre Père. Merci, Seigneur, pour les écailles que tu fais tomber de mes yeux ce soir, afin que je revienne à toi. Ô, merci, notre Père, pour ton amour pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous crions en toi, dans le précieux nom de ton cher Fils Jésus-Christ, de nous pardonner toute vie mensongère, de cette vie d'hypocrisie, oh, cette vie de pharisiens que nous avons menée, Seigneur, jusqu'à ce jour. Nos lèvres ont proclamé et notre vie a été le contraire. Oh, notre Dieu, nous avons pris des engagements et nous nous sommes détournés loyalement de ces engagements au point où, Seigneur, rien dans notre vie n'atteste, ne témoigne que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ô notre Dieu, cette vie mensongère, ô Père, nous supplions que tu nous la pardonnes, Seigneur. Pardonne et pitié, Seigneur notre Dieu, toutes les demi-vérités, la vie d'hypocrisie, ô notre Dieu, la vie de duplicité, nous supplions que tu pardonnes, Seigneur. Ôte les conséquences, ô notre Dieu, et accepte notre pardon de ce soir, car nous revenons avec de nouveaux engagements, nous revenons avec de nouveaux engagements, et nous disons, Seigneur, nous nous inscrivons tous ce soir à l'école de la vérité. À l'école de la vérité, à tous égards, béni sois-tu. Merci de nous pardonner et de nous restaurer au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prions en tant que peuple que tu nous pardonnes, Seigneur, tous les faux engagements que nous avons pris, tous les engagements pris de façon légère et dont nous nous sommes détourné après, Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne-nous, Seigneur, ôtant toutes les conséquences sur nos vies en tant que peuple, en tant qu'individu. Et ô Seigneur, ce jour, merci parce que tu nous parles et tu nous amènes, Seigneur, à nous ressaisir. Que la vérité nous habite. Accorde-nous la grâce d'être un peuple qui honore ses engagements pris envers Dieu, ses engagements pris envers l'homme, de manière à ce que, ô Seigneur, en tout, nous soyons capables d'accomplir ce que notre bouche a proclamé au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint notre Père, ta parole est claire. Tu ne veux pas juste un peuple qui se réunit pour demander la bénédiction et repartir. Tu veux un peuple qui t'appartient, un peuple qui marche avec toi, un peuple qui communie avec toi. Seigneur, nous avons décidé d'être ce peuple, de marcher avec toi, de te chercher sur une base quotidienne, de lire la Bible, de prier, de méditer. Nous avons décidé d'aller dans nos assemblées pour prier. Nous avons décidé de te servir, mais nous avons fui, Seigneur. Nous avons abandonné. Nous avons abandonné, nous t'avons trahi. Nous avons été faux. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous plaidons que dans ta grâce, dans ta grande bonté et dans ta miséricorde, que tu aies pitié de nous, Seigneur. Que tu aies pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos engagements non accomplis. Pardonne-nous la fausseté, le mensonge. Nous disons
ce que nous ne faisons pas. Et nous proclamons ce que nous n'avons pas fait. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et ramène-nous à toi, Seigneur. Parce que nous sommes prêts à revenir, Seigneur. Et nous décidons de revenir pour marcher avec toi. Pas juste pour être béni. Pas juste pour réclamer de toi des bénédictions. Seigneur, nous voulons être ton peuple, tes enfants, pour marcher avec toi. Et nous allons marcher avec toi. Nous prions que tu nous bénisses. Partout se trouvent tes enfants, même ceux qui ne sont pas ici cette nuit, ce soir. Nous prions que cette parole leur parvienne dans toute la nation, partout où ils se trouvent, afin que chacun revienne, Seigneur. Afin que chacun revienne, Seigneur, pour que ton cœur se réjouisse en nous. Sois béni et glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un nous lit Joël 12, verset 1 à 3. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Lis le verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Cette nuit et demain, pendant toute la journée, intercédons pour que tout péché qui a été commis soit pardonné. Dans toute l'Église, alléluia. Puisque nous formons un peuple, quand un frère pêche, ça nous touche. Ça peut bloquer tout le monde. Donc demain, chacun supplie Dieu que Dieu pardonne toute iniquité qui a été commise par un frère quelconque, qu'il soit jeune converti ou un ancien, que Dieu pardonne. Et qu'il amène à la repentance. Non, qu'il amène la personne à la repentance. Si Dieu nous exauce, vous verrez qu'il y a des choses que nous allons recevoir sans avoir demandé. Demain, tu supplies, à partir de cette nuit, tu dis, Seigneur, si tu as même entendu, toi, tu es béni, parce que tu as un témoignage. Tu dis à Dieu, il y a tel cas, pardonne, et pardonne les autres cas. Prie avec compassion. Et si tu vis dans le péché, saisis cette opportunité, cette grâce pour sortir de là. Alléluia. Alléluia. Qu'il n'y ait pas deux personnes qui ne s'entendent pas.
Il faut rechercher la paix avec tout le monde. La puissance contre les principautés vient de la relation avec Dieu. Vient de la relation avec Dieu. Quand tu négliges la relation avec Dieu, il te dira, comme il a dit à Ephraïm, à Israël dans Osée 13, verset 9, il dit que ce qui est ton problème, c'est que tu pèches contre celui qui peut te secourir. Tu es contre celui qui peut t'aider. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui n'étaient pas là, dites-leur que c'est une journée de supplication pour que Dieu sanctifie l'œuvre. Qu'il n'y ait aucun péché devant sa face, qu'il pardonne. Parce qu'il dit qu'il cherche parmi eux quelqu'un qui va se lever pour intercéder. Si nous enjambons tous ces péchés-là pour tomber dans le combat, Dieu ne sera pas dans le combat. Dieu ne sera pas dans le combat. Si Dieu voit comment nous sommes contrits et brisés pour nos propres infidélités, quand nous allons invoquer son nom pour nos familles, il va descendre. Parce qu'il verra là un peuple transparent, vrai, qui le connaît et qui sait l'invoquer. Parce qu'il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, que le solide fondement posé par Dieu subsiste toujours avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque évoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ceux qui connaissent Dieu savent que tout combat commence par la réconciliation avec Dieu. Tu veux invoquer Dieu, éloigne-toi d'abord du péché. Alléluia. Si tu es dans une assemblée, tu vois à quelle heure les gens viennent à l'adoration. S'ils viennent à 10 heures, tu supplies Dieu de pardonner. Si tu prends ça comme une chose normale, Dieu va nous laisser avec nos églises. Il va dire, bon, continuez sans moi, continuez, allez à Bethel, faites ce que vous voulez, continuez. Si Dieu voit que nous ne sommes pas capables d'aller sans lui, il va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Moïse a refusé d'aller sans Dieu. Dieu lui a dit, prends le peuple, vas-y, l'ange va vous accompagner. Il a dit, non, c'est toi-même. Alléluia, c'est toi-même. Quand Dieu est satisfait, il va multiplier les signes. Il va travailler au milieu de nous. Même les aveugles vont voir. Le jugement commence par la maison de Dieu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre nos yeux sur la condition de l'Église. Pardonne-nous et exauce-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il enlève les obstacles sur ton chemin.
Quand on va se retrouver demain, ça sera pour élever les cris jusqu'à ce que Dieu nous dise que mes enfants, j'ai roulé l'opprobre, j'ai pardonné vos péchés. Que le Seigneur multiplie les visions qui viennent de lui. Amen. Je me dis que cette croisade commence très bien, parce que les vérités qui nous sont données sont les vérités bibliques. Et je me dis que si chacun obéit à Dieu, il va rentrer dans son héritage. La prière que chacun de nous obéit vraiment à Dieu et se rendre à Dieu dans tout ce que Dieu lui demande.